Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que la journée s'est bien passée. Alors, bien quelques petites nouveautés. Tout d'abord, je refais un blog. Donc, en plus du catalogue mensuel, vous aurez un blog qui vous expliquera un petit peu plus en détail. Donc, qui vous dira un petit peu plus en détail les articles, les tendances, etc. Donc, bien, il y a déjà quelques articles qui sont parus. Donc, le premier article, effectivement, c'est un article qui est dédié aux couleurs tendances de ce printemps-été, en termes de maquillage et de vêtements aussi. Voilà, le deuxième article porte sur notre booster à la caféine pour que vous en sachiez un peu plus. Et le troisième article va vous dire tout simplement quel nettoyant pour votre visage, que vous vous maquillez ou non, est donc bien le plus approprié à chaque type de peau et à chaque besoin. Voilà. Parce que souvent, c'est vrai que, par exemple, Attention au passage d'un train éloigné de la bordure du quai. pas le moment de passer tout. Parce qu'effectivement, bien parfois on lit les démaquillants, on se dit bah non, c'est pas pour moi, je me maquille pas. Voilà. Or, ça doit faire partie quand même de votre routine. Donc, est-ce que pour vous c'est plutôt lait, eau micellaire, etc.? Eh bien, vous saurez tout dans le blog. Désolée, j'avais pas prévu. Wow, on dirait la vieille locomotive. En même temps, ça fait 34 minutes que j'attends mon train, donc de toutes les manières, voilà. Donc, en plus, c'est des trains courts à cette heure-ci, les gens se sont fait un peu avoir, ils sont en train de remonter tout le quai en courant. Voilà. Donc, le blog, vous aurez bien sûr tous les produits démaquillants de la marque Emmanuel P qui vont donc être. Qui vont sortir au fur et à mesure, et puis le maquillage aussi, voilà, le maquillage de printemps, hein, voilà, puisqu'on arrive sur les beaux jours, la belle saison et tout et tout. Heureusement qu'il fait beau, parce que je ne me verrais pas attendre 34 minutes sur le quai d'un train, d'une gare, sous une pluie battante, verglaçante et tout, mais bon, voilà, c'est comme ça. Bon. Je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous dis à très vite et bonne soirée.